qu'est-ce qu'ils veulent? Vous voir. Vanessa est à leur tête. Refusez. Partons, on ne peut plus rien. Le gouvernement est à Versailles. Thiers fait évacuer l'armée. Je le sais, Cambon. Mais c'est absurde. Le pouvoir doit rester à Paris, l'armée aussi. On peut encore négocier, non? Choisir votre camp, le peuple ou les traîtres de Versailles. Nous voulons l'hôtel de ville, nous l'aurons, avec ou sans vous. Monsieur Vallès. Camarade Vallès, l'heure n'est plus aux politesses. La République bourgeoise est morte. Monsieur Vallès, cette République, je l'ai voulue. Moi aussi, j'ai combattu l'Empire, j'ai donné 20 ans de ma vie pour la liberté du peuple. La République, nous l'avons. Son gouvernement est légitime. Mettez fin à la révolte. Le gouvernement reviendra à Paris. Assez de discours, Ferry. C'est du passé. Aujourd'hui, il faut choisir la commune ou les traîtres. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Tirez, mon sang, tirez. Partons tout de suite. Écoutez votre frère. Le peuple hurle sa haine. Il se croit trahi par ceux qui ont fait la paix avec l'Allemand. L'hôtel de ville sera envahi, ils vous tueront. Non, le pouvoir doit rester à Paris. L'armée aussi. Quel orgueil. Tu veux mourir ici d'une belle mort historique pour que la postérité retienne ton nom, c'est ça? Tu mourras pour rien. Et qui parle de mourir? L'armée obéit. Je peux mater la révolte. Jules, ils sont tous partis. Thiers en tête. Il a ordonné le retrait des troupes. Tu es seul. Oh bon, notez. Expédier ce télégramme à Versailles. J'ai des hommes et des vivres. Je peux tenir indéfiniment, organiser la résistance. Je n'évacuerai pas sans ordre. Livrer l'hôtel de ville au pillage est une folie. Allez. Joignez Versailles immédiatement et par vos propres moyens. Le chef du pouvoir exécutif de la République française. Adolphe Thiers. Cambon, notez un autre télégramme pour Versailles. Je pars, puisque c'est un ordre. Les insurgés dressent une barricade, tirent des coups de feu. Je sortirai le dernier. Partez. Moi. Je vais rejoindre les maires des arrondissements. Allez. Avec vous, j'ai organisé la résistance contre les Prussiens.
sans généraux, sans soldats, sans canons, on peut encore sauver la France et la République. Le peuple de Paris s'égare. Aidez-moi! Il faut arrêter cette folie! Ferry a raison! Il faut résister! Résister! Les mensonges, laissez-moi parler! Il faut résister, mater la révolte là, maintenant! Non! Non, mais. Après, il sera trop tard! Je refuse! Moi, un élu de Montmartre, porter les armes contre le peuple, jamais! Vous entendez? Jamais! Il s'agit de rétablir l'ordre! Il faut négocier! Négocier, oui! Négocier! Il y a eu assez de sang! Mais négocier avec qui? Comment? Non, Clémenceau, non! Vous voulez la guerre civile? Le massacre du peuple? Comme Thiers, comme ceux de Versailles? C'est criminel! Criminel, Ferry! Messieurs! Ça y est! Ça y est! Les insurgés ont enfoncé la porte de l'hôtel de ville. Ils ont ici le drapeau rouge. Dites-vous, que voulez-vous? Lucien Leduc. Je suis journaliste tout le temps. Essayez, je réponds de lui. Essayez d'organiser la résistance. Ils ont déjà capitulé. Le duc, Paris va être livré aux insurgés. On ne peut plus se faire entendre. Ils sont tous devenus fous. Soit avec vous. Bonjour, Jules. C'est tout ce qu'ils t'ont trouvé? Comment ça va, Saint-Dié? Ça va. Adèle est patraque, mais je voulais te voir. Tu connais les nouvelles? De Paris? Oui. La commune a décrété l'élection des juges, le contrôle permanent des élus par le peuple, le mandat révocable. Ils nous rejouent la terreur. Tout recommence. La haine des classes, la fureur sanguinaire. Oublie Jules, oublie tout ça. Redeviens avocat. Non. J'ai quitté Paris en proscrit. Haï par le peuple qui me hurlait la mort aux oreilles. Jamais je ne pourrai oublier. Jules, attends la paix ici, à Versailles. La commune est foutue. Et après, j'ai consacré 20 ans de ma vie à éviter cela. Notre père pleurait quand Napoléon III a pris le pouvoir. Tu l'as oublié? Je hais cette dictature. Celle-là et toutes les autres. Monsieur, le four d'Ivry est tombé. Celui devant vous aussi. Le sang coule à flot. Pour les Parisiens, tu resteras un traître.
pour les monarchistes, tu seras toujours un républicain. Ta place n'est pas dans ce chaos, non. Moi, je retourne à la finance. L'époque ne vaut pas mieux. La République proclamée, j'ai cru notre heure arriver. Quel gâchis. Et que crois-tu qu'il adviendra demain? L'écrasement de la commune, l'ordre moral, la monarchie peut-être. Voilà ce que veulent les Versaillais, voilà ce que veut la province. Monsieur, la voiture est arrivée. Monsieur Thiers souhaite que vous entriez dans Paris avec lui. Jules, n'y va pas. Laisse-moi venir avec toi. Si tu m'as fait entre Paris et moi, je dois la régler seul. Ils devraient se rendre. Le plus tôt sera le mieux. Ils ne se rendront pas. Ils sont comme la garde à Waterloo. Seule l'histoire les intéresse désormais. Et si on leur propose? Je ne leur proposerai rien. Nous allons en finir. La France a besoin d'ordre. L'ordre régnera. Pas de prisonniers! Pas de prisonniers! Allez! Allez, vite! Commune! Commune! On est là! La commune! Au mur! En joue! Prêt! Feu! Qu'est-ce que vous attendiez? Rechargez les armes! Pas ça. Allez, courez, courez! J'aurais besoin de vous, Ferry. En joue! Puisque je vous dis que j'aurai besoin de vous. Je suis Vosgien, Louise. L'hiver glacial, la bise mordante, les maisons froides, ça vous forge une santé pour la vie. Hein, Charles? Alors, Louise t'a fait oublier Gabriel? Infatigable. J'aime te voir ainsi. Là, je te retrouve. L'amour, les femmes, rien de tel pour oublier. Paris, Versailles, la politique. Envoler tout ça. Oublier? Comment veux-tu que j'oublie? Pendant 20 ans, j'ai cru que nous pourrions changer les choses. Bien sûr, la politique n'était pas mon seul souci. J'ai vécu des années de rêve. Les voyages, les femmes, le journalisme, l'insouciance. J'étais porté par un but unique. Abattre l'Empire et installer la République. La République dont tu rêvais est morte, enterrée sous les décombres de la Commune. C'est fini, Jules. Fini. La blessure est profonde, Charles. La plaie reste ouverte. Je sais, je comprends. Mais tu as démissionné. Tu as bien fait. La page est tournée. Laisse le temps faire son œuvre, il cicatrisera la plaie. Et puis je suis là, Jules, auprès de toi, avec toi. Jamais je n'oublierai ce que j'ai vu en mai. C'était terrible. Plus terrible encore que pendant le siège. La guerre civile. Tu la craignais déjà avant. Oui. Mais la vivre est tout autre chose.
Ce massacre, j'en ai été l'acteur et le spectateur. Moi, juriste républicain, je me suis incliné devant ces représailles. Tout cela, tu me l'as dit et redit. Je sais que ces images t'obsèdent, mais... Je ne peux rester sur ce goût de sang. Rien, c'est la moitié de ma vie. Faut tout recommencer. Bien, je recommencerai. Recommencer quoi? Mais tout, chat. Tout. Pour que renaisse l'espoir. Et que sonne enfin l'heure de la République. Mais tu n'y penses pas, l'heure de la République? Non, je t'en prie, ne parle pas. J'ai décidé. Et toi non plus. Tu n'abandonneras pas. Tu m'aideras. Comme avant. S'il vous plaît, je cherche Monsieur Fevrel. C'est par là. Suivez-moi, je vais vous accompagner. Attendez, Monsieur Ferry, je vais le chercher. Monsieur Ferry. Oui. Monsieur Ferry, je ne vous attendais pas. Que puis-je pour vous? Depuis février, je suis député des Vosges. En octobre, ce sera les élections cantonales. Je vais me présenter ici, au TIO. Vous êtes influent, monsieur, vous et vos amis les industriels. Les paysans, les ouvriers vous écoutent. La campagne électorale sera brève. J'ai besoin de votre aide. Sans votre appui, je ne peux pas être élu. Depuis février, monsieur Ferry, il s'est passé beaucoup de choses. Vous avez pactisé avec la commune. Je ne suis plus votre homme. Paris. Monsieur Fevrel, je l'ai quitté le 18 mars. Le jour où a éclaté l'émeute. Je me suis enfui, assailli par les communards qui hurlaient mon nom. Celui qu'il m'avait donné... Ferry, famine. Ils voulaient me fusiller. Vous appelez ça un communard? Ce n'est pas moi qui colporte cela, monsieur Ferry. C'est Louis Buffet, votre concurrent monarchiste, et sa presse. Et vous y avez cru? D'autres aussi, sans doute. Oui. Et maintenant? Maintenant, il ne suffit pas que je vous croie. Allez lire dans tout le canton, lecton. Je suis venu pour ça. Et j'ai besoin de vous. Accompagnez-moi. La République! Vous n'avez que ce mot à la bouche, monsieur Ferry. Mais elle fera quoi pour nous, ici, au Thio, votre République? La République, c'est la propriété de votre terre. La paix, le calme. Pour vos enfants, fini, l'usine des 8 ans. Ils iront à l'école. Ils apprendront à lire. Ça leur servira à quoi de lire? Ils seront plus instructionnés que nous. À devenir instituteur, postier, médecin, peut-être. Et puis... Ils pourront lire les journaux. On ne pourra plus leur faire tout gober. Ils seront enfin de vrais citoyens. Ça bien, monsieur Ferry. Mais c'est nos mislèves qui fera pousser notre biais. Sauvera. Je vais vous empoiler. Et nos chômis, qui sont tous décaisés. Qu'est-ce qui serait qu'ils les croient? T'as raison, notre genre. C'est bien beau, tous vos discours républicains, monarchistes, bonapartistes. Vous nous promettez la lune. Mais ça intéresse qui, nos chemins? C'est vrai que vous en avez vu défiler des régimes. Mais la République, c'est aussi des routes. Des chemins, des voies ferrées, des engrais pour vos terres, l'eau pour vos villages, et tant d'autres choses encore. Parce que la République, mes amis, c'est le progrès partout, pour tous. Le progrès politique, social, matériel. Les plus petites choses et les plus grandes. Voilà, je crois que nous pouvons mettre fin à cette réunion. Eh ben, à la voyure, on va rester. À la voyure. C'est bien fini.
Ah, au revoir, Yolande. Au revoir. J'oublie rien. Non, non. À bientôt, monsieur. À bientôt, cher ami. Monsieur Ferry, vous resterez bien dîner avec nous? Très volontiers. Merci. Merci. Pas faim? Si, mais... Laisse M. Ferry manger tranquille. Ben mange, bonhomme. Papa m'a dit que grâce à vous, un jour, je serai instituteur. C'est vrai, M. Ferry? Oui, tu le seras si tu le veux. André, toi et beaucoup d'autres. Mange. Il faut que je travaille beaucoup. Tu aimes ça, travailler? Oh oui, monsieur Ferry. Je sais lire un peu, même que... Maman me fait taire parce que je réveille mon petit frère. Applique-toi bien. Instruis-toi. Sois bon et généreux et un jour tu seras instituteur. C'est vrai, monsieur Ferry? Oui. Je ferai ce qu'il faut. Mais ça dépend de toi. Allez, mange. Monsieur Ferry, vous avez gagné. Tu m'as porté chance, André. Eh bien, on va à la mairie. Alors, Ali, que se passe-t-il? Pourquoi fallait-il que je vienne toutes à faire ses sangs? Votre frère, il n'est pas normal. Il ne sort plus. Il n'y a plus les journaux. Il ne s'intéresse plus à rien. Pas même aux femmes, alors. Tu l'as interrogé. Que répond-il? Muet. Il reste muet. Il fait le sourd. Il est fou. Alors, tu rêvais? Oui. Ouais, dis-moi, tu te fais rare en ce moment? Oh, tu m'écoutes? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Tu as des ennuis? Des problèmes dans ta circonscription? Non. Les Vosges me sont fidèles. Une maîtresse, c'est ça? Une maîtresse qui est envahissante. Le jeu? Combien? Non. Ah, c'est donc plus grave que ça? Allez, dis-moi, Jules. Ah, cesse de me harceler. Je suis amoureux. Voilà, t'es content maintenant? Amoureux? C'est la meilleure, ça. Amoureux. Arrête de rire, tu m'agaces. C'est sérieux, Charles. Et je la connais. Alice, s'il te plaît, laisse-nous. Alors, qui est-ce? Eugénie Risler. Eugénie Risler? Mais dis donc, tu vises haut? Je ne vise pas. J'aime. Tu peux comprendre ça? Oui, oui, mais laisse-moi respirer. Un des plus beaux partis de la République, le clan Gambetta, les amis de Clémenceau... Mais la question n'est pas là. Bon. Raconte-moi ça. Que s'est-il passé? Tu lui as fait des avances, elle t'a repoussé, c'est ça? Elle se dérobe. Je ne sais pas quoi penser. Peut-être me trouve-t-elle trop vieux. Oh oui, t'as raison. Un vieux barbon comme toi. Mon avenir politique est-il trop incertain? C'est ça. Elle, une Risler, épouser un petit député des Vosges. Tu n'y penses pas. Oh, cesse de faire le pitre, tu m'énerves. Mais aide-moi plutôt, je ne sais pas quoi faire.
Tu connais la famille, toi. Alors, fais jouer tes talents. Essaie de savoir. Parle de moi, fais-moi connaître. Mais si je comprends bien, tu me demandes de faire campagne pour toi, quoi. Aide-moi, Charles. Jouer, maman. J'hésite entre ça et ça. Qu'importe, jouer, je vous prie. J'ai très bien compris, je prends avec celle-là. N'oubliez pas que whist signifie chute. C'est vous qui gagnez, monsieur Ferry? Oui. Nous sommes sur la bonne voie. Je vous aime, Eugénie. Je vous aime depuis un an. Soyez ma femme. Ma famille est protestante. Vous êtes catholique et je suis athée. Ce serait un curieux mélange. En plus, vous êtes députée. Un mariage religieux s'imposerait et à ça, je me refuse. Argument réfuté. Je vous jure que je saurais me passer sans regret de la bénédiction de mes électeurs. Vous savez ce qu'on m'a raconté? Que vous ne seriez pas l'homme d'une seule femme. Et je voudrais pas... Non, je vous en prie. Ne vous jouez pas de moi. Je vous aime. Épousez-moi ou bien alors dites-moi que vous n'éprouvez rien pour moi. Je préfère le savoir. Mais je vous aime. Mais je ne pourrai pas être votre femme. Je ne serai jamais mère. Je ne peux pas avoir d'enfant. Soyez ma femme, je serai plus heureux des hommes. Des enfants, nous en aurons. Ce seront tous les enfants de France. L'éducation du peuple sera la grande œuvre des Républicains. Il y a 6 ans, j'ai fait le serment d'y consacrer toute mon énergie, et ce serment, je le tiendrai. Il me suffira que ce soit avec vous. Mon amour. Le témoin de la mariée. Monsieur Clémenceau, s'il vous plaît. Le témoin du marié. Monsieur Gambetta. Merci. Permettez-moi, monsieur le député, madame, de vous présenter mes meilleurs voeux de bonheur. Je crois que c'est monsieur. Merci, Ali, je n'ai pas besoin de vous. Il vous écrit de Saint-Dié.
Tout va bien, madame. Oui, allez. Un monsieur dit qu'il fait un froid sibérien. Que le préfet et l'administration sont hostiles. Et les radicaux impatients. Oui, oui. Et que dit-il encore? Ah, il a ratissé jusqu'au plus petit coin de sa circonscription. Il a visité tout le monde. Ouvriers, paysans. Chacun de ses électeurs, maison après maison. Et alors? Et alors quoi, Ali? Sera-t-il réélu? Mais oui, il le croit. Partout, c'est le même mouvement pour la République. Peut-être. Mais il y a longtemps que je voulais vous le dire. Il est trop contre les curés. Vous n'êtes même pas mariés à l'église. Bon, Ali, cessez, je vous en prie. Moi, je trouve qu'il n'est pas assez anticlérical. Oh, madame! Voir chez nous. Comment allez-vous? Très bien. Maurice, bonjour. Député. Antonio. Bonjour. Aloïse. Bonjour, monsieur le député. Et Benoît. Ça va bien? Très bien, monsieur le député. Monsieur le député, on est content de vous voir. Et on aimerait que vous vous occupiez quand même des cours du bois, parce que chez nous, il y a de gros problèmes. Et il faudrait qu'on gagne quand même un peu plus pour notre vie. Ça a beaucoup chuté. Ça a beaucoup chuté, monsieur le député. Surtout depuis les derniers chablis. Vous savez, j'y consacre tout mon temps. Hein. Tout ça va se faire, mais il faut un peu de temps. Merci, alors vous pouvez me faire confiance. Merci. Merci de votre accueil. Au revoir, madame. Au revoir. Merci. Bon. À bientôt. Au revoir. Au revoir, monsieur Chéry. Éreinté, surmené. Oh, la vilaine politique que la petite, et quel dégoût que le scrutin d'arrondissement. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Je fais ainsi, maison après maison, mon métier de député. Je tourne une roue électorale jusque dans le plus reculé des hameaux. Encore 8 jours, ma chérie. 8 jours, et c'est fini. Pardon, monsieur, nous sommes perdus. N'auriez pas par hasard un lit pour monsieur Ferry? Mais peut-être bien que si, monsieur. Entrez. Merci. Ce n'est pas gai, mais j'ai bon espoir. Partout, je sens le mouvement qui s'opère pour la République. Même les paysans se détachent des monarchistes. Porte aussi, monsieur. Monsieur. Merci. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Demain, j'anime un banquet de notables. Je mettrai la chemise que tu m'as offerte. Tu seras sur ma peau. Penser à toi est mon seul réconfort. Je t'aime, Eugénie. Je t'aime plus que je ne peux l'écrire. Je t'attendais.
Vous savez, c'est tellement extraordinaire. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses riches, jamais vues. Ali, s'il te plaît, dis à madame de nous rejoindre au salon. Suivez-moi, le duc. Ah, Eugénie, je te présente Lucien le duc. Je l'ai connu à la fin de l'Empire, il était mon stagiaire au temps. Enchanté. Le voilà maintenant chroniqueur politique. Nous nous sommes rencontrés à l'exposition universelle. Ah. Que de merveille. Tout paraît possible, même les rêves les plus fous. C'est comme dans les romans de Jules Verne. Avez-vous vu les galeries des machines? Ah là là, tu n'imagines pas, il y a là de quoi maîtriser l'univers. Et la science, madame. Intelligence, courage, passion, voilà sa devise. Et ça marche. Pasteur vient de déclarer la guerre aux microbes. Nous mourrons moins, nous vivrons plus longtemps. L'humanité devient enfin adulte. Nous sortons des ténèbres. Rien ne pourra entraver la marche du progrès. J'aime cette époque. Quand on pense au passé, épidémie, famine, ignorance, peur. Oh, j'en ai froid dans le dos. Eh oui, Voltaire, Diderot, Condorcet, nos encyclopédistes avaient vu juste. L'Europe se civilise. Et bientôt, il faudra civiliser le monde. C'est vrai. L'Europe et surtout la France devront mener aux quatre coins de la planète leur mission civilisatrice. Mais que valent ces progrès? Le gouvernement des hommes en est resté, lui, à l'âge des cavernes. Vous avez raison, madame. Mais les remèdes existent. L'éducation du peuple, la démocratie républicaine. Et c'est pour bientôt. Mac Mahon et les monarchistes ne feront pas de vieux jours. Nous avons la Chambre, nous aurons bientôt le Sénat. La République est là, notre heure va sonner. La tienne aussi, Jules. Votre femme a raison, le pays a besoin de vous. En attendant, je vous invite à lever votre verre avec moi. À mon beau-frère Charles et à sa future épouse. Quoi, Charles se marie? Charles se marie. Et il ne m'a rien dit. Il l'a dit à moi, c'est pareil. C'est vrai? Oui. Et qui est l'heureuse élue, puisque j'imagine qu'il t'a aussi mise dans la confidence. Geneviève à l'intarget. Oh, c'est pas du tout son genre. Elle est châtain aux yeux noisettes et belle, messieurs. Très, très belle. Parce qu'il te l'a présentée? Mm-hmm. Alors moi, je ne compte pas. Et voilà Geneviève. Bienvenue dans la famille. Monsieur le Président! Silence, messieurs, je vous prie. La parole est à monsieur le ministre de l'Instruction publique. Messieurs les députés, il y a 9 ans, sous l'Empire, je fis devant mes amis républicains un serment, consacré toute mon intelligence, toute ma force physique et morale à l'éducation du peuple. Les hommes de 1789 ont anéanti les privilèges de la naissance et de la propriété. À nous de faire disparaître la plus redoutable des inégalités, l'inégalité d'éducation. La République, messieurs, c'est cela, le savoir pour tous, l'égalité des chances, l'accès rendu possible pour chacun à toutes les fonctions dans l'État et dans la société. Notre nouveau système d'éducation aura 3 piliers. Laïcité, gratuité, obligation. Et la liberté du père de famille, c'est honteux. Voilà l'école sans Dieu. Hérétique ! N'interrompez pas l'orateur. Et si un père ne veut pas envoyer son fils à l'école, on l'y obligera, on l'emprisonnera, c'est la terreur, c'est 1793. Opérez vos remarques, les insultes ne sont pas de mise ici. Et la tolérance n'est pas due aux intolérants. Messieurs les cléricaux, les persécutions, vous savez ce que cela veut dire. Oui, bravo.
à monsieur le ministre de l'Instruction publique. J'attendais plus de sérénité de votre part, messieurs. L'école, messieurs, l'école de la République que nous allons construire n'appartiendra ni à l'Église, ni au patron, ni au gouvernement. Elle sera l'école de la nation, l'école de tous, l'école pour tous les enfants de France. La République est légale, faut-il le rappeler, légale. Modéré, mais ferme, nous serons intransigeants. Le dogme aux églises, l'éducation à l'État. Tu étais magnifique. Je suis épuisé, assommé. Ah, ça a été un tumulte effrayant. La ménagerie humaine est la plus laide de toutes. Hein. Et ça t'étonne. Ah, la bataille sera longue, rude, terrible parfois. Mais tu la gagneras. Tu as raison, ma chérie, mais tout de même. Je ne m'attendais pas à voir les monarchistes et les cléricaux aussi endiablés. Les nôtres n'ont pas flanché. Non, ils ont été exemplaires. Pour une fois unis, y compris ceux de Gambetta et Clémenceau. L'instruction publique est notre idéal commun. Et veille à cette unité. Elle t'assure la majorité dont tu as besoin. C'est de toi dont j'ai besoin. Je me souviens lorsque je t'écrivais, guide-moi, c'est vers la hauteur que tu me conduis. J'y suis, j'en suis fier. Quelle tempête. Tu feras front. Il faut maintenant déposer nos projets de loi. Rambaud. Tout est prêt, monsieur le ministre, les textes sont rédigés. Buisson. Je propose une seule loi pour traiter tous les problèmes et tous les ordres d'enseignement. Zéva. Oui, c'est la bonne méthode. Les majorités sont fragiles, nous ne sommes pas assurés de la durée. Il faut, je crois, créer l'irréversible au plus vite. Léa. Ce qui m'inquiète, ce sont les congrégations. Nous les exclurons des écoles, mais il y aura sans doute des troubles. Et à Paris, on ne sait jamais. Les troubles dans la rue, nous ne les éviterons pas, à Paris comme ailleurs. Les batailles parlementaires non plus. Il est donc urgent d'agir vite et d'agir en bloc. Nos amis ne comprendraient pas que l'on tergiverse, que l'on attende. Messieurs, je ne partage pas vos avis. La République est neuve. Elle est fragile. L'opinion n'aime guère les bouleversements. Raison de plus pour agir vite, monsieur le ministre. Non. Il faut aussi savoir attendre. La France rurale arbitre la partie. Il serait dangereux de la brusquer. Regardez. Regardez, M. Figari. Qu'est-ce qu'il est grand. C'est lui. Bonjour, M. Ferry. Et nous, je vous marche, non. Un de ces jours. Bonjour, M. Ferry. Directeur, merci. À très bientôt. Au revoir, monsieur. Rien n'a changé depuis mon enfance. Je suis athée, connu comme tel, et pourtant je suis l'élu d'un peuple qui tient à la République, mais qui fait des processions. Mais nous n'allons pas interdire les reposoirs, les processions et toutes ces pratiques, monsieur le ministre. Non, pour installer la laïcité, nous devons violer l'Église catholique. Plus de curés dans les écoles, plus de catéchisme dans les programmes. Alors raison de plus pour aller très vite. Et n'oubliez pas Clémenceau qui en voudra plus. Jules Simon qui en voudra moins, comme le président Grévy. Et Gambetta attend son heure. La droite, elle, s'opposera à tout. Avec un texte unique, ce sera la coalition des extrêmes à l'Assemblée et la révolte au Sénat. Alors préparez plusieurs projets de loi.
On les passera l'un après l'autre. À tout à l'heure. Monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu à ma question. Toute l'élite républicaine est là. Avocats, médecins, notaires, pharmaciens, industriels, instituteurs. Ils vont faire un triomphe. De l'instruction publique, mais aussi le Vosgien que nous accueillons aujourd'hui. Asseyez-vous. Jules Ferry a commencé le bon combat. Et avec quelle ardeur! Faisons corps avec lui. Entourons-le, et s'il en était besoin, défendons-le par tous les moyens en notre pouvoir. Je lui donne la parole. Monsieur le Président, cher Nicolas Claude, vous qui, depuis tant d'années, incarnez ici le combat pour la République, mes chers amis, mon premier voyage de ministre est pour vous, les Républicains des Vosges, qui avez voulu, défendu, fonder la République par le suffrage universel. La grande réforme que la France républicaine attend est en marche. Mais pour qu'elle aboutisse, il faut d'abord bouter hors des écoles les congrégations religieuses, et parmi elles, celle qui est prohibée par toute notre histoire, la Compagnie de Jésus. Oui, oui, nous devons lui arracher l'âme de la jeunesse française. Il y a un an, presque jour pour jour, j'étais avec quelques autres parlementaires dans une école où enseignent les jésuites. Dans la salle de classe, devant les enfants en uniforme, un jésuite faisait son cours d'histoire. Et voici ce qu'il leur disait. « Mes enfants, le bon roi Louis XVI voulait réformer la France. Il convoqua les états généraux, et que croyez-vous qu'il advint ? Les députés, résolus à perdre le roi, commencèrent à lui désobéir. Ils s'emparèrent du pouvoir. Ce fut le début de nos malheurs. La révolution, au nom des principes de 1789, fit régner la terreur. Partout, c'était la violence contre les nobles et les curés. Le triomphe de la force. La prison pour les récalcitrants, la religion foulée aux pieds, l'assassinat du roi.
Il n'y a pas de haine plus sanguinaire que celle qui s'attaque à l'autorité et à la religion. Voilà, messieurs, voilà ce qu'alors j'ai entendu dans l'un de ces établissements où l'on tient école de contre-révolution. La France ne peut avoir deux jeunesses, une qui maudit la révolution, une qui vénère 1789 comme une délivrance et la société moderne comme un idéal. Mais le remède contre l'internationale noire, ce n'est pas l'internationale rouge, c'est l'école laïque, gratuite, obligatoire, l'école de la République. Vive la République ! Charles. Charles ? Nerveux ? Quant à Geneviève, elle va bien, merci. Non, elle était calme, sereine. L'accouchement est pour cette nuit. Elle aura besoin de repos cet été. Nous irons à Saint-Dié. J'ai hâte de retrouver le calme des Vosges. Ah, tu n'imagines pas combien les choses ont changé depuis que nous sommes au pouvoir et que je suis ministre. Fini les charabancs, les chambres d'auberge classées, l'administration hostile. Et qu'il est facile d'exercer son métier de député. Dégager des crédits, réformer un conscrit, amener une voie ferrée, obtenir une faveur, enfin bon. Tout ce que l'on me refusait hier m'est accordé aujourd'hui. La roue tourne, c'est que justice. Bogner a organisé un dîner à la préfecture pour les chefs de service. Tous ces vieux bureaucrates étaient aussi empressés que la situation l'exige. Ah, c'était un grand moment. Et Saint-Dié s'est-elle habitué à son sous-préfet protestant ? Et alsacien ? Ouais. Bon, les bigotes sont exaspérés. Mais c'est bon d'avoir la majorité. C'est un garçon. Nous l'appellerons Abel. Les verres à vin à droite, hein, tu feras attention. Je vais en mettre aussi. Ici aussi. Oh, j'ai faim. Bonne chasse. Deux faisans, un lièvre. Oh, pauvre bête. Je comprends mieux vos élans pour les Vosges. Il souffle ici un air de paradis. Ça, c'est la Tuilerie où nous sommes nés. Que de souvenirs sont enfouis, là. Regardez Saint-Dié. Les faubourgs ne cessent de s'étendre. Cité ouvrière, usine, chantier. Combien cette année, monsieur le maire ? 4. Sans compter le nouveau pont sur la Meurthe. Notre petite ville épiscopale, calme, secrète, ne sera bientôt plus qu'un souvenir. C'est le progrès, ici comme ailleurs. Et la République en est la fille. Savez-vous que l'endroit où nous sommes était visité par les loups ? Par les loups ? Oui. Ils descendaient chaque hiver du sommet de l'Ormont, la montagne aux fées et aux légendes. Eh bien, moi, je préfère les fées. Mais votre mari a raison. Pendant l'hiver 40, je les ai vus. Des fées ? Non, des loups qui descendaient jusqu'à l'orée du bois. Ils vont bientôt regarder l'herbe pousser et nous dire qu'elle est ici comme nulle part ailleurs. Hmm ? Nous pouvons passer à table. Monsieur le maire, vous en prie. Ah. Je comprends cet attachement, j'éprouve le même pour mon Alsace, désormais si lointaine. Je l'aime aussi, ton Alsace. Il faut venger l'affront de 70. La République se trahirait.
Mais tu sais bien que nous ne pouvons sans folie songer à reprendre l'Alsace-Lorraine maintenant. L'Allemagne est trop forte. Mais que faisons-nous alors? On s'arme. Nos usines produisent des canons, des fusils. L'Empire aussi avait des armes, il a perdu l'Alsace, Jules. L'Empire a sombré parce qu'il n'avait pas de morale, pas d'idéal. Il paraît que les gens dansaient tout le temps sur la musique d'Offenbach avec des flonflons. Il paraît que c'était tout le temps la fête. Enfin, moi j'en sais rien, hein. C'est mes parents qui me l'ont dit. Non, Charles a raison. Sans force morale, les armes ne sont rien. Pour vaincre, il faut croire, aimer. Aimer sa patrie plus que sa propre vie. Oui, mais l'amour de la patrie, la force morale, ça ne se décrète pas. Ça se vit, ça s'apprend. Et que fait la République pour cela? L'école, Eugénie, l'école. Nous élèverons les enfants dans le souvenir de 1870, dans l'amour des provinces perdues. Et le jour de la revanche viendra, si nous savons attendre. Mais attendre quoi? À Paris, les rues sans fièvre, la province suit. Voilà où nous a conduit M. Ferry. Et les rouges sont de retour. Ça va? Ça va. On a amnistié les communards. Et Vallès, Gaël, Louise Michel sont en tête des manifestations. Mais non, Ferry a trop tergiversé. Vous, les opportunistes, vous êtes trop attendus. Nous, les radicaux, nous demandons la République son maximum et vite. Tu oublies toutes les réformes? Les réformes? Quelles réformes? Les écoles normales de garçons et de filles. Dans tous les départements. Et l'enseignement secondaire pour les jeunes filles. Et l'école normale supérieure. Et l'expulsion des religieux du Conseil supérieur de l'instruction publique. Tout cela, c'est nous? Mais toi, Clémenceau, tu l'oublies. Mais le peuple attend toujours la loi sur l'école laïque, gratuite et obligatoire. Et la révision de la Constitution pour supprimer le Sénat. Et la loi autorisant les syndicats ouvriers. Et maintenant, vous allez reculer devant les jésuites. Non, nous ne reculerons pas. Vu le gouvernement, Fraissinet vient de démissionner. Il refuse d'appliquer le décret d'expulsion. Il a peur des troubles. Et voilà, messieurs les opportunistes, la bourgeoisie bien pensante et les cléricaux gagnent. Vous êtes devenus des conservateurs, toi, Gambetta et Ferry et les autres. Et les ouvriers vont se tourner vers les rouges. Et ce sera à nouveau l'aventure. Et les violences. Il a raison. Vous êtes les républicains de l'abandon. Vous faites le lit du socialisme. Monsieur le président de la République, vous allez nommer Gambetta pour me succéder? Non, Fraissinet. Il nommerait Paul Bert en instruction publique. Et avec l'un et l'autre, c'est la révolution. La guerre au catholicisme. Certes, monsieur le président, vous savez combien je vous approuve. Mais alors qui? Ferry, mon cher. Ferry. Il a voulu les décrets, qu'il les applique. Voilà, messieurs, vous connaissez mes instructions, à vous de les exécuter. L'expulsion des jésuites doit être menée tambour battant. Cette affaire est devenue un symbole, celui de la détermination du gouvernement à laïciser l'État et l'école. Et là-dessus, je ne transigerai pas. Allez, et rendez-moi compte deux fois par jour. Bonjour, madame. Merci. Merci. On expulse les jésuites, les religieux. C'est la commune qui rien. Dieu se vengera. Nous, députés, préfets de police, vu l'article 204 du Code pénal, vu les décrets du 29 mars 1880, arrêtons. Article 1er. La chapelle établie à Paris, rue de Sèvres, 33, est fermée à partir de la date du présent arrêté. Les scellés seront apposés sur toutes les portes de la dite chapelle. Article 2. Soit qu'elle donne accès sur la voie publique, soit qu'elle établisse une communication avec les bâtiments occupés par la société dite de Jésus. Gloria mignot élevé, Gloria mignot élevé. Député, préfet de police, pour vous, mon sage, pour vous, et que
Quelles sont les nouvelles? Des incidents ici ou là, mais dans l'ensemble, ça va bien et vite. À ce rythme, la semaine prochaine, tout sera fini. Quand tu as commencé, je craignais que tu n'y arrives jamais. Maintenant, c'est fait. Je te félicite. Oh, ça n'a pas été facile, tu sais. Très dur, même. Mais l'idéal maçonnique nous fait une règle d'aller au bout de notre travail. Gambetta éructe de plaisir, Clémenceau reconnaît ta détermination. Belle campagne, mon général. Ce moment d'unité républicaine est précieux. Savoure-le. Profite de cette victoire. Accélère le mouvement. Jules, il faut faire voter la loi sur la liberté syndicale. C'était le projet de mon père. Et les libertés municipales. Et la liberté de la presse. Et les lois sur le travail des enfants. Et des femmes. Quel programme, tu vois. Même tes admiratrices ne te laissent aucun répit. Qu'est-ce que ça va être à l'Assemblée, hein? Messieurs, je vous remercie de ce vote quasi unanime acquis après un débat qui honore la République et le Parlement. La presse est désormais libre. Ouais ! Levons notre verre à cette victoire si longtemps espérée. Je dois rendre hommage à Jules Ferry, qui compte ici des admirateurs inconditionnels. Trop peut-être. Avec la liberté absolue de la presse, il donne à la liberté moderne ce que fut le forum pour la liberté antique. Voilà 9 mois que Jules Ferry est président du Conseil et les jésuites ont été expulsés. La gratuité de l'enseignement primaire, votée. Les libertés de réunion et de la presse, instaurées. Une ère nouvelle commence. Des journaux libres. Un peuple informé et une démocratie vivante. Nous inaugurons la liberté de la presse par un plébiscite pour le gouvernement. Bien, assieds-toi. Un cognac? Ah oui, Jules. Bien tassé, s'il te plaît. J'ai le gosier sec. Tu as trop crié contre moi. C'est une légende, je ne crie jamais. Quand tu as pris la présidence du Conseil, je t'ai assuré de mon appui et j'ai tenu parole. C'est vrai. Tu m'as loyalement soutenu, j'en conviens. Alors que me reproches-tu? Oh, à toi, rien. Mais tes fidèles votent contre moi. Eh, qu'est-ce que j'y peux? Il pense que c'est moi qui devrais être à ta place. Tu peux beaucoup, j'en suis sûr. Jules, je veux la révision de la Constitution. Je veux la suppression du Sénat. Mais on ne peut pas, à chaque législature, remettre en question les fondements de l'édifice politique. On ne peut pas non plus tolérer que le Sénat fasse obstacle à toutes les réformes. Résultat, nous attendons toujours l'école laïque et obligatoire. La loi sur les syndicats ouvriers. Mais Léon, nous avons tout le reste. Tout le reste, oui, mais pas l'essentiel. Jules, tu as trop de patience avec le Sénat. Alors tu vas pouvoir mettre toute ta fougue à le forcer. Ton heure est venue, Léon. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais te prévenir. Je vais à l'Élysée. Si Grévy est d'accord, je te passe la main. Il n'acceptera pas, je suis le diable. Mais la chambre t'est acquise. Je n'ai réussi sur la question tunisienne que grâce à ton intervention. Ah, ça, c'est vrai. Tu vois bien. À toi de jouer, Léon. On va voir si tu es si malin. Gambetta renversé par la chambre. Demandez le temps. Demandez le temps. Gambetta renversé par la chambre. Demandez le temps. Remontée spectaculaire de la bourse. Demandez le temps. Demandez le temps. La Chambre ne supporte pas que le président du Conseil gouverne. Bonjour, Ali. Bonjour, monsieur. Bonjour, Ali. Gambetta était renversé comme moi. Grévy, t'a-t-il pressenti? Non, il penche pour Fraissinet. Encore? Eh ouais. Fraissinet s'active. Il gratte à toutes les portes. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Moi, j'irai à l'instruction publique. Je dois finir l'œuvre scolaire. Ali, Charles, Geneviève a encore eu une hémorragie. Le docteur Treillat était là? Oui, bien sûr. Il a fait ce qu'il fallait faire, mais tout peut recommencer demain. Je n'en peux plus. Autant
Abel dévore, autant Geneviève dépérit. Je suis désespéré. J'ai gardé le fiacre, Charles, vas-y. Grave. Oui. Très. La parole est à Monseigneur Frépel. Monsieur le ministre, c'est toujours vous que l'Église trouve sur sa route. Vous avez lancé l'attaque contre les congrégations. Président du Conseil, vous avez continué. Gambetta vous a succédé, puis Freycinet, puis d'autres. Mais vous, vous êtes encore là, acharné à poursuivre votre destructrice. Votre préfet de la Seine fait enlever les crucifix des écoles. Maintenant, supprimer le catéchisme à l'école. Vous voulez qu'on n'y parle plus de Dieu. C'est l'antéchrist ! Il se prend pour Robespierre. Silence, messieurs, silence ! Monseigneur Frépel, poursuivez. Vous me parlez de neutralité, monsieur le ministre. Mais le silence de l'instituteur sur la religion, ça n'est pas un acte de neutralité. Ne pas parler de Dieu à l'enfant pendant 7 ans, alors qu'on l'instruit 6 heures par jour, ça n'est pas de la neutralité. C'est lui dire que Dieu n'existe pas, ou qu'on n'a nul besoin de s'occuper de lui. C'est cela. Qu'on ne s'occupe plus de Dieu à l'école, c'est ça. C'est un gouvernement sans âme. S'abstenir sur Dieu. On ne peut pas s'abstenir sur l'immortalité de l'âme. Mais il ne s'agit pas de voter pour ou contre Dieu. On ne vote pas Dieu dans les assemblées. Il s'agit de la neutralité religieuse de l'école. Les écoles publiques n'ont pas à être catholiques. Tous les instituteurs ne sont pas catholiques. Tous les enfants ne sont pas catholiques. Faut-il rappeler ici que ce pays est pluraliste ? Et qu'il doit respecter la liberté de conscience de tous. Catholiques, certes, mais aussi protestants, libres penseurs, juifs. Voilà pourquoi nous menons la lutte anticléricale. Voilà pourquoi nous voulons affirmer les droits de l'État. C'est cela que nous demandons à l'Assemblée de voter. Rien de plus, rien de moins. Monsieur le ministre. Bonjour. Vous ne me reconnaissez pas ? Gazon. Abbé Gazon. Église Saint-Germain-l'Auxerrois. Vous êtes toujours dans cette paroisse ? Oui, oui. Je vous reconduis. Monsieur Ferry, puis-je vous poser une question ? Bien sûr. Comment pouvez-vous prôner la suppression du catéchisme et interdire aux curés l'entrée des écoles ? Monsieur l'abbé, l'Église n'a rien à faire dans l'enseignement. Elle a charge des âmes, monsieur le ministre, là comme ailleurs. Et non, monsieur l'abbé, non. Les droits de l'Église s'arrêtent où commencent ceux de l'État. Elle est maîtresse de ses sacrements et de ses cérémonies dans les paroisses, mais pas au-delà.
Croyez-moi, monsieur le ministre, le peuple n'a rien contre l'école publique. Il l'attend même. Et vous avez raison de lui donner. Mais pas contre la religion. Mais je ne combats pas la religion, c'est le catholicisme politique que je refuse. Qui fera la différence? Votre école formera des générations d'athées, quoi que vous en disiez. Monsieur l'abbé, je vous aime beaucoup. Et je vous serai éternellement reconnaissant de m'avoir sauvé la vie il y a 10 ans, mais vous ne changerez pas d'un iota ma conviction. L'État est neutre. Et la loi commande à tous les citoyens. Mais il vous reste encore un espoir. Le Sénat doit statuer sur un amendement déposé par M. Jules Simon. Il me cherche querelle pour conserver l'instruction religieuse à l'école. Alors attendez. Rien n'est perdu. Messieurs, l'amendement de notre collègue Jules Simon est repoussé par 167 voix contre 123. La loi relative à l'obligation scolaire et à la laïcité est adoptée dans la forme soumise par Monsieur le ministre de l'Instruction publique après son adoption par la Chambre des députés. Pardon, c'est interdit. Tu avais raison, il fallait savoir attendre. Allez, on se dépêche. Et en silence, hein. Asseyez-vous. Silence. Bien. Ce matin, nous allons poursuivre la leçon de morale. Alors les grands, vous ouvrez vos livres, page 42, et les petits, vous écoutez. Donc, le petit Georges vient d'assister au mariage de sa grande sœur. Et en sortant de la mairie, il l'interroge. Ronsin, lis, s'il te plaît. Est-ce que nous n'allons pas aussi à l'église? Mon petit beau-frère, dit le mari qui avait entendu la question de Georges, nous irons à l'église pour demander à Dieu de bénir notre union. Mais dès à présent, nous sommes bel et bien mariés. Bien, Ronsin. Continue, Arnaud. Monsieur le curé ne voudrait pas nous recevoir à l'église, que cela ne nous empêcherait pas d'être unis pour la vie. Très bien. À toi, Billot. Billot, on se réveille. N'est-ce pas, madame? Dit-il en appuyant sur le mot. Et la jeune femme sourit. Très bien. Vous retiendrez donc avec la République... Oh, Julien. Avec la République, on se marie devant monsieur le maire. Et ensuite, on est libre d'aller ou de ne pas aller à l'église. C'est compris? Oui. Bien. Ouvrez maintenant vos livres, page 37. Nous allons commencer la leçon d'instruction civique. Le Noël, lis, s'il te plaît. Servir son pays est un devoir et un honneur. La patrie est notre grande famille. Elle a droit à toute notre affection, à tout notre dévouement. Nous devons nous sacrifier pour la défendre. Ce n'est pas seulement en se battant qu'on sert la patrie. On peut aussi l'honorer par l'amour du travail, par l'honnêteté, par le respect du droit des autres. Les enfants, vous avez un bon maître. Plus encore qu'un éducateur, voyez en lui un guide, un ami sûr, qui remplit une des plus nobles fonctions de la société. Allez les enfants dehors, c'est la récréation. Ouais. Allez, allez. J'avais promis. Monsieur Fury, j'ai si souvent pensé à notre conversation, vous savez. Parfois j'ai douté, mais
Je le voulais tant, ce métier. C'est un métier merveilleux. Aujourd'hui, tu vois, ils sont des milliers comme toi, partout en France, à instruire la jeunesse. Comme toi, ils tiennent entre leurs mains l'avenir de la nation. N'oublie jamais cela. Allez, monsieur l'instituteur, on nous attend. Attention, ne bougez plus. Un, deux, trois. Il s'est renversé tout seul. Même Clémenceau n'y est pour rien. C'est une part de la République qui s'en va avec lui. Je ne peux pas y croire. C'était une telle sécurité de le sentir là, en réserve. Messieurs, ce 22 février 1883 est à mettre sur la liste noire de l'histoire de la République. Ferry le menteur, Ferry le fossoyeur des principes républicains, est président du Conseil. La parole est à monsieur Jules Ferry, président du Conseil, ministre de l'Instruction publique. Oh. Messieurs, une grande nation, un grand pays ont l'habitude de regarder vers le centre, de s'orienter vers le centre politique. Si ce centre de la vie politique est livré aux incertitudes et aux divisions, la masse de la nation se troublera, s'écartera, se désintéressera de la chose publique. Il faut que le point central de la politique soit bien déterminé. Il faut qu'il brille et éclaire comme un phare. Le progrès n'est pas une suite de soubresauts ni de coups de force, non. C'est un développement lent. C'est une évolution qui se produit d'abord dans les idées, descend ensuite dans les mœurs, pour passer enfin dans les lois. Et pour que ce phénomène paisible de croissance sociale puisse s'accomplir, il lui faut d'abord un gouvernement protecteur et stable, qui ne soit pas à la merci du premier caprice de la foule qui passe, ou des foucades parlementaires. Oui, nous avons reçu du pays le mandat de réforme et nous l'accomplirons. Mais le pays nous demande à cette heure, avec non moins d'énergie, de gouverner, d'enraciner, d'administrer la République. Au peuple français et à l'Europe qui nous observe, donnons le spectacle d'un gouvernement sûr du lendemain, d'une administration forte et respectée, d'une république parlementaire reposant sur le bon sens, le travail et l'amour du progrès. On adore la République, c'est la politique du surplace. L'histoire, elle, n'attend pas. Clémenceau, vous avez encore voté contre moi. Je ne comprends pas votre position. Que cherchez-vous? Mais rien, Ferry. Rien qu'une autre politique pour la France. Mais quelle autre politique? Il n'y a pas d'autre politique. Laissons au pays le temps de digérer les réformes. Nous l'avons déjà beaucoup secoué. Il a besoin de paix, au-dedans comme au-dehors. Il faut aller plus loin, Ferry. Supprimer le Sénat, élire les juges, séparer l'Église et l'État, s'attaquer à la misère ouvrière, préparer la revanche. Et tout cela, vous ne le voulez pas. Tout ce que vous faites, c'est la colonisation. La colonisation. La colonisation, Clémenceau, c'est montrer notre force, accroître nos richesses, assurer notre grandeur. C'est redonner à l'armée sa fierté. Et c'est offrir aux industriels et aux ouvriers du profit et du travail. Voilà ce qu'est la colonisation. Non, Ferry.
C'est faux, tout cela est faux. La colonisation, c'est la dépense de l'argent public, alors que le chômage et la misère rongent le pays. C'est verser le sang français, au lieu de concentrer nos forces pour reprendre l'Alsace et la Lorraine. C'est civiliser des races inférieures, comme vous dites, par le crime, la violence, l'oppression. Mais de cette république-là, je n'en veux pas, Ferry. Je vous préviens, je vous déclare la guerre. Je déclare la guerre à ce gouvernement. Et je ne vous lâcherai pas. Aujourd'hui, nous allions étudier les colonies de la France. Je vais vous les montrer sur le globe. Approchez-vous, ceux du fond. Alors, nous avons l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, le Congo, Dahomey, Madagascar. Nous avons la NAM, Pondichéry. Nous avons également, silence, nous avons également la Guadeloupe. La Guadeloupe se trouve ici, la Martinique, la Guyane, et au pôle Nord, Saint-Pierre et Miquelon. Le soleil ne se couche jamais sur le drapeau français. Mais nous possédons 4 millions de kilomètres carrés. C'est extraordinaire. Julien, quelle est la superficie de la France? 536 000 kilomètres carrés. Très bien. Et toi, Marcel, nos colonies, c'est combien de fois la France? Mais non, Marcel, c'est du calcul mental. Alors? Plus de 7 fois? Exactement. Depuis plusieurs années, la France cherche à conquérir l'Indochine. L'Indochine? L'Indochine est ici. Napoléon III nous a donné la... Cochinchine. Et le... Très bien. La République, elle... La NAM. Bien. Maintenant, nous occupons le Tonkin. Le Tonkin se trouve ici. Mais c'est très difficile, car les Chinois, eux, ne veulent pas. Alors, c'est la guerre. Je sais, monsieur. Mon frère y est. Marcel, s'il te plaît, tu fermes le rideau. Et Julien, viens m'aider. Je vais vous montrer de très belles images de l'Indochine avec la lanterne magique. Attention, première image. Voilà des rizières. C'est beau, hein? Ils sont belles, hein? Ça, c'est une... Non, c'est un bœuf. Maintenant, nous avons des indigènes. Ils construisent un chemin de fer. Ils ont l'air contents. Oui, ils ont l'air contents. Ce sont des Vietnamiens. Oh, le grand pantalon! Qu'est-ce qu'il tient dans sa main, celui-là? Très bien. Il fait pipi. Non. C'est très drôle. Maintenant, je vais vous montrer un très beau palais. C'est le palais de Hué. Regardez bien, regardez les belles couleurs. C'est beau, hein? C'est pas beau? Si. Voilà. Mais il n'y a pas que la France qui a des colonies. Il y a aussi l'Angleterre et la Russie. Ils en ont plus que nous. Tous les pays sont à la recherche de nouvelles conquêtes, de terres nouvelles. La France aussi. Thank you.
Ali. L'appartement du second est à toi, Charles. Ribert. Maman. Maman. Je ne veux plus rien. Je suis mort avec elle. Elle respirait pour moi. Elle était si rayonnante, si enjouée, si belle. Pourquoi? Pourquoi? Charles. Charles. Mais elle était si morte. Il ne restait rien à ma vie. Mais il reste ton fils, Abel. Notre fils. Encore une bordée contre toi. Et voilà le résultat de la malle politique de M. Ferry. Partout nous faisons la guerre, partout nous dépensons de l'argent, partout nous versons du sang français. Notre conquête n'est que violence, crime, tyrannie du vainqueur sur les faibles, abus pur et simple de la force pour s'approprier l'homme, le torturer, l'exploiter au profit du prétendu civilisateur. Il n'y a pas de main morte, Clémenceau. Qu'il hurle s'il le veut, cet étourneau malfaisant. Qu'il me dise s'il faut laisser les Anglais, les Allemands, les Italiens, les Russes s'emparer de ces terres à notre place. Que serait la France si elle ne se mêlait de rien? Mais es-tu si sûr que notre avenir se joue là-bas? La colonisation coûte cher. Elle disperse notre armée et ne résout pas la question sociale. La colère qui gronde dans les ateliers. Aide-t-elle à combattre l'ignorance, la misère? Accroît-elle le bien-être, le droit, la liberté? Mais c'est à cela que se mesure le redressement national, non pas au canonnat du Tonkin. Je me suis déjà expliqué 100 fois sur ma politique coloniale. Enfin, c'est tout de même extraordinaire, tu raisonnes comme Clémenceau. Mais je sais que la colonisation a un autre sens pour toi, je respecte ton choix. Mais je t'en supplie, pense à la France, aux Français. Suivez-moi, mon père, monsieur vous attend. Monsieur l'abbé Gazon. Bonjour, mon père. Comment allez-vous? Pardon, monsieur. Monsieur le président du Conseil, nous nous rencontrons chaque fois que vous attaquez de front la religion. J'imagine votre courroux, monsieur l'abbé, mais comment la République pouvait-elle ne pas rétablir le divorce? Personne ne vous a obligé à voter cette loi stupide. C'est pas ça qui donnera à manger aux chômeurs. Vous voyez, on ne me ménage pas ici non plus. Le lien du mariage, béni par l'Église, est indissoluble. Et vous le savez bien. Le mariage, monsieur l'abbé, est un contrat civil. Il peut être défait. La loi naquait renoue avec 1789, le code civil et la liberté individuelle. C'est tout. Vous n'avez rien de mieux à faire que de combattre le catholicisme. La République est installée. Quel besoin avez-vous de saper les fondements de la société? Mais je ne sape rien. Je construis et c'est difficile. Vous l'avez vu, je suis contesté même ici, dans ma propre maison. Ma vieille gouvernante me reproche d'en faire trop. Ma femme, d'origine protestante, me pousse à en faire plus. Comme mes amis francs-maçons, d'ailleurs. Votre loge doit être fière de vous. Pourquoi satisfaire encore ce clan? Vous êtes président du Conseil, garant de l'intérêt général. Vous faites la part trop belle aux détracteurs de l'Église. Moi? Mais monsieur l'abbé, le catholicisme, en France, aujourd'hui, c'est moi qui le défends. J'ai rayé du programme républicain la séparation de l'Église et de l'État. J'ai fait voter le budget des cultes, malgré la colère de mes amis. Et le budget des cultes, vous savez ce que c'est, vous? Ce sont les prêtres, les curés payés par la République, par les deniers publics, parce que les deniers du culte n'y suffisent pas. La République protège les catholiques d'Orient, aide les missionnaires en Indochine. Je reçois l'archevêque d'Alger, la Vigerie, et moi, libre penseur, je l'encourage à christianiser la Tunisie avec ses pères blancs et les dames de Sion. Et vous savez ce qu'elles font, les dames de Sion, comme les pères blancs, vous le savez? Elles font des catholiques arabes, africains. Alors, que puis-je faire de plus? Arrêtez ces lois laïques.
Mais non, le catholicisme politique se comporte encore en ennemi de la République, qu'il change et je changerai. Mon cher ami, je ne suis pas anti-religieux. Je connais la force du catholicisme. Je respecte le Saint-Père. Croyez-moi, le jour viendra où je tendrai la main. Mon père. Madame, j'allais prendre congé. Encore Gazot ? Je comprends ta dette envers lui, mais de là le prendre pour conseiller. Les femmes ont les mêmes facultés que les hommes. Les hommes disent le contraire. Mais qu'en savent-ils? Ici à Épinal, comme ailleurs désormais dans toute la France, il vous revient de leur prouver qu'ils ont tort. Mesdames les professeurs, notre école normale supérieure de jeunes filles a déjà fait de vous des enseignants aussi qualifiés que les hommes. Nos lycées, mesdemoiselles, vous ouvrent grandes les portes du baccalauréat. La République vous offre cette chance pour la première fois de son histoire. Saisissez-la. Même si cela ne fait pas plaisir à vos futurs maris. Pendant que Ferry, le tonkinois, se pavane dans les couloirs de la chambre, et nos soldats meurent dans les fièvres du fleuve rouge. Pour eux, mesdames, messieurs, voici ma dernière composition, au tonkin. La petite armée héroïque, fleur du pays républicain, républicain, meurt inébranlable et stoïque, brûlée au dur ciel du Tonkin, ciel du Tonkin. Chaque jour le glas des morsonne, sinistre sous le soleil lourd, il ne restera bientôt plus personne. Au pays où règne Biou, règne Biou. On vend la chair à soldats pour cette belle contrée, à l'épreuve du choléra et de la diarrhée. Mais il faut qu'ils s'y rendent. Allons-y, mon chéri, autant qu'un long demande, Monsieur Jules Ferry. Le tigre rôde et fait vis-à-vis au serpent, vie au serpent. La fleur de lotus vert d'émeraude sur sa tige flétrit subitement, très subitement. Et pendant que le gong résonne sous les flèches du pavillon noir, il y a une flèche du pavillon jaune qui vous arrive en plein dans le noir. Oh, on demande la chair à soldat pour cette belle contrée, à l'épreuve du choléra et de la diarrhée. Mais il faut que Jules s'y rende. Allons-y, mon chéri, autant qu'un long demande, Monsieur Jules Ferry. Dix ans que je t'aime. Tu regrettes? Oh, je regrette ce temps qui coule entre mes doigts. Ma jeunesse qui s'est enfuie. Oh, Jules. Ici à Foucharupt, je pense à tous ceux qui ne sont plus. Mes parents. Geneviève, je pense au tumulte parisien, à la chambre, aux discours, aux injures, à la presse. Et cette vie, tu l'as voulu, Jules? Je l'ai voulu, oui. Mais quelquefois, je doute. Tu doutes, toi? Oh, pas de moi, ma chérie, mais de mon action. Tout est si difficile. L'histoire n'attend pas, et en politique, tout est si lent. Chaque fois. En 1789, en 1830, en 48, en 70,
la République a dégénéré en révolution. Chaque fois, ce fut la guerre civile, le retour de la monarchie ou de l'Empire. Trop à droite, trop à gauche, le balancier de l'histoire ne s'arrêtait jamais au centre. L'équilibre parfait est une chimère. Mais non, 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 Eugénie, il existe. C'est un idéal. C'est une lumière qui brille là, au bout du chemin. Celle de la République calme, sereine, modérée. Et c'est celle-là dont je rêvais. C'est celle-là dont la France a besoin. Maintenant que nous sommes si près du but, j'ai peur. J'ai peur que tout se brise. Oui. Oui. Bien, Otto. Envoyez-moi une voiture, j'arrive tout de suite. Alors, Otto, d'autres télégrammes? Oui, monsieur le président. Les Chinois avancent sur Langson, déferlent sur le fleuve Rouge. Le général de Négrier est grièvement blessé. Le soldat se replie. Nous avons de grosses pertes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais que font nos généraux? Mais qu'ils se battent! Qu'ils résistent! Qu'ils gagnent! Perdre! Perdre aussi près du but! Mais les émissaires chinois ont approuvé l'accord. Mais l'empereur n'a rien signé. D'une main, il négocie. De l'autre, il attaque. Ah, je croyais cette affaire réglée. Elle ne l'est pas. J'avais tout misé sur la franchise de l'empereur, sur le secret des négociations, mais il trahit sa parole. Et nos soldats qui fuient. Il faut parler. Appelez le ministre de la guerre. Il faut réagir. Envoyer de nouveaux bataillons bloquer le golfe. Demander des nouveaux crédits à la Chambre. Encore Langson portait le nom d'une victoire. Mais les Chinois ont déferlé et contraint nos soldats au repli. Les télégrammes alarmistes nous ont fait croire à un désastre. Il n'en est rien. Les pertes sont légères. L'ennemi est contenu. Mais il faut venger l'échec de Langson. Je vous demande de voter pour la guerre de Chine un crédit extraordinaire de 200 millions. Moi, à vous ! Il servira à envoyer en Cochinchine, à Hue, de nouveaux bataillons, de nouvelles batteries d'artillerie et des navires pour bloquer le golfe du Tonkin. Au nom de la France... Vous n'avez pas le droit de parler au nom de la France ! Au nom de la France qui nous regarde et de l'armée qui nous attend, votez ces crédits, donnez au pays le spectacle de notre dignité commune.
Je ne viens pas répondre à monsieur le président du conseil. Tout débat est fini entre nous. Nous ne pouvons plus discuter avec vous des grands intérêts de la patrie. Nous ne vous connaissons plus, nous ne voulons plus vous connaître. Ce ne sont plus des ministres que j'ai en face de moi. Ce sont des accusés. Accusés de haute trahison. Et la main de la loi ne tardera pas à s'abattre sur vous. Oui, oui, nous voterons les crédits pour nos soldats, pour la République, pour la France. Mais nous les voterons quand vous serez partis. Il rit. On ne rit pas du Tonkin. La France saura que vous venez de rire. Messieurs, à la demande de tous les groupes de l'Assemblée, je vous invite à voter pour ou contre l'ordre du jour suivant. La Chambre, résolue à faire tous les sacrifices pour maintenir l'intégrité de l'honneur national, blâme les fautes du gouvernement qui lui a dissimulé la vérité. Elle. L'ordre du jour est voté par 306 voix contre 149. Messieurs, j'ai compris le sens de ce vote. Je vais présenter ma démission à Monsieur le Président de la République. J'ai ouvert la porte qui donne sur la cour du ministère des Affaires étrangères et une voiture vous y attend. Merci, mon ami. Vous voyez, Thierry, la République n'a même pas le courage de protéger ceux qui la dirigent. Je ne comprends pas, Jules. La vérité a éclaté sur Langson. Nos généraux s'étaient affolés pour rien, nous n'avons eu quelques morts. Depuis, la Chine nous a donné le Tonkin. C'est la paix, la victoire, ta victoire, Jules. Alors, je ne retournerai pas à la chambre tant qu'elle ne m'aura pas rendu justice. Tu es là, n'est-ce pas? Oh non, Charles. Non.
Mais il faut du temps pour digérer un tel affront. Je ne supporte plus le cynisme, la violence, la presse, la foule. La paix est faite. Le Tonkin est à nous. C'est assez pour mon nom. Sa vie politique, il la croyait finie. Il en souffrait. Pourtant, quelques années plus tard, il reprit le combat pour cette République à laquelle il avait tout donné. Mais la vie ne lui en laissa pas le temps. Il mourut le 17 mars 1893. Je lègue à ma femme bien-aimée, Mathilde Eugénie née Rissler, à celle qui m'a révélé la vie heureuse, qui a été la compagne de mon esprit et la lumière de ma conscience, l'universalité des biens, meubles et immeubles qui m'appartiennent au jour de mon décès. Je désire reposer à Saint-Dié, en face de cette ligne bleue des Vosges, d'où monte jusqu'à mon cœur fidèle la plainte touchante des vaincus. Je ne veux, bien entendu, d'aucun prêtre à mes funérailles.